Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce faux livre. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, avec un petit clapet ici. Donc un porte-carte et porte-tag. Et ici, on peut aussi venir glisser une carte ou une photo. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous montrer comment on le réalise. Donc pour commencer, il vous faut, donc pour la couverture, une feuille de 28 cm sur 17,5 où on va réaliser deux plis. Donc là, on a donc 13 cm. Ensuite, vous avez 2 cm et de nouveau 13 cm. Voilà, donc on obtient notre couverture. Voilà, je vous donnerai les mesures pour décorer l'avant, l'arrière et la tranche tout à l'heure. On va déjà faire la partie un petit peu la plus technique. Donc c'est les accordéons là pour former le faux livre. Ça fait comme des fausses pages. Donc il vous faut... Donc pour la partie de gauche et de droite, donc forcément c'est des rectangles plus grands que ceux-là. Donc les mesures donc pour gauche et droite. Donc c'est deux rectangles de 28 cm sur 16 cm. Et vous allez à chaque fois marquer le pli tous les 2 cm. Voilà, une fois que c'est fait, vous formez votre accordéon. Alors, c'est vrai que vous pouvez le faire soit à la main en marquant vos plis, ou sinon, moi, du coup, j'ai utilisé la planche à rainurer, qui est très pratique. Du coup, vu que c'est un massicot que j'utilise plus, parce que les lames sont plus disponibles, donc la planche à rainurer me sert beaucoup dans ces travaux. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie gauche et droite. Et ensuite, pour en haut et en bas, donc c'est de nouveau un rectangle de 28 cm sur 12 cm. De toujours avec un pli tous les 2 cm. Voilà, vous marquez bien vos plis pour obtenir donc un accordéon. Et ensuite, on va venir assembler donc un grand et un petit ensemble. Donc, pour le moment, on ne va pas coller. On va déjà assembler notre cadre et on va faire en sorte que ça tienne pour le moment avec de simples pinces à linge. Ça, je me dis que tout le monde a à la maison. Ou sinon, voilà, des pinces crocodile qui tiennent bien, bien, bien fermées. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de, comme on dit, de pression. Du coup, il faut que ça tienne. Donc, en fait, on va venir assembler donc un grand morceau, un petit morceau. Comme ceci. Alors, il faut venir assembler. Voilà, comme ceci. Après, vous aplatissez bien dans ce sens et dans ce sens, voilà. Pour qu'on obtienne déjà un angle droit. Donc, on viendra fixer tout à l'heure avec de la colle. Et pour le moment, on va prendre nos pinces à linge. Ensuite, on prend un grand bout. Donc là, on a la partie du haut et la partie de gauche. Ensuite, la partie ici, pareil, on assemble chaque pointe. On les fait s'emboîter ensemble. Et on appuie bien. Pour de nouveau former un angle. Voilà. Pince à linge. Youp. Et là, pareil. Là, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'on doit assembler les deux en même temps.
J'espère que vous voyez bien à la caméra. Voilà. Et ensuite, on assemble. Voilà. Vous voyez, on obtient déjà notre cadre faux livre. Voilà. Donc notre cadre est fait. Maintenant, on va venir fixer les petites pattes. Voilà, pour que notre cadre tienne bien. Alors, soit vous utilisez de la colle chaude, soit vous utilisez du scotch double face, mais voilà, quelque chose de costaud, hein. Voilà, l'essentiel c'est que ça tienne, bien sûr. Donc là, j'utilise du scotch double face. Donc vous mettez un petit carré ou un petit rectangle de scotch double face ici, donc sous cette partie là vous mettez votre scotch double face. Un peu coupé trop grand là, je vais découper un peu trop, voilà. Donc un petit, hein, moi j'en ai mis un grand morceau, mais un petit morceau de double face. On enlève la petite pellicule et ensuite on vient coller. Voilà, donc de ce côté et de l'autre côté aussi. Hein. Voilà. Donc ça, vous faites pour tous les côtés. Donc à chaque fois, vous enlevez votre pince à linge et vous collez. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps du coup. Et faites bien en sorte que, voilà, que c'est toujours bien fixé ici et là, bien, bien emboîté entre eux. Hein. Et voilà, donc on obtient, voilà, donc notre faux livre, notre cadre, voilà. Donc cette partie-là, c'est vraiment la plus longue, voilà, elle est déjà faite. Ensuite, je fais un peu de ménage, voilà, faire de la place. Donc on va reprendre notre couverture et on va poser... du coup le petit ruban qui est là. Donc il vous faut
deux morceaux de ruban de 25 cm. Voilà, qu'on va donc fixer ici avec du double face. Voilà, vous le centrez bien, vous mettez votre ruban. Voilà, vous obtenez donc ceci et là pareil. Hein. Voilà, l'essentiel c'est que ça tienne hein, le double face. Donc voilà, vous l'avez bien mis à la même hauteur, bien centré. Et ensuite, on va venir coller déjà ces parties-là, ici et là, donc l'intérieur. Donc là, il vous faudra donc déjà deux rectangles de 17 cm sur 12,5. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Donc on va déjà, ce qu'on va faire, c'est déjà coller celle-ci. Donc on va coller la partie où le cadre va venir dessus. Donc ici. Voilà, donc on a caché bien sûr la tâche qu'on venait de réaliser pour mettre le ruban. Et ensuite, éventuellement, on va venir mettre déjà notre cadre. Voilà, comme ça, vous venez le coller sur cette partie-là. Donc vous mettez de la colle ou du scotch double face, quelque chose qui tiennent bien et vous venez le centrer sur votre page. Voilà, comme ça. Ensuite, sur la partie donc qui est là, je vais vous montrer dans le mien. Donc il y a un petit clapet. Donc ce clapet là, voilà, donc c'est une feuille qui fait donc 17 cm sur 12,5 et vous faites un pli à 2 cm. Voilà, donc on va déjà venir fixer cette partie là, ici, hein. Voilà, donc on va coller. Donc la petite languette. Alors moi c'est vrai que je ne l'ai pas mis à ras. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne l'ai pas mis à ras. Du coup j'ai laissé je crois 0,5 cm. Pour avoir un petit rebord. Voilà, vous centrez bien. Voilà, on a donc notre petit rabat. Ensuite, on va venir mettre de nouveau la feuille qui fait donc, j'avais dit donc 17 cm sur 12,5. Voilà, vous venez la poser juste en dessous. Vous venez la coller. Voilà, pour avoir un fond. Là. Faites en sorte qu'elle soit vraiment alignée. Voilà. Que, de sorte que quand vous refermez votre clapet, voilà.
Voilà, on soit pile au-dessus. Hein. Voilà, donc là, on a déjà notre clapet. Ensuite, la partie, donc le petit cadre qui est là. Donc, c'est un rectangle, il en faut deux. Alors, c'est donc un fond déjà. Le porte-carte en bas, donc il fait donc 12 cm sur 4 cm. Non, je dis des bêtises, c'est l'inverse. L'oncle noir, il fait 4,5 sur 12,5 et le rose, 4 cm sur 12 cm. Voilà. Donc on voit bien, il y a juste 0,5 de différence. Donc celui-ci, on vient le coller ici. Voilà. Donc bien sûr, vu que c'est un porte-carte, vous allez mettre de la colle ici, là et là. Bien sûr, pas en haut, parce qu'ici, on va venir glisser une photo ou une carte. Hein. Donc, un tout petit filet de colle. Vraiment très peu. Vous venez le coller ici. Et la partie déco. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de réaliser, c'est vrai que là, on voit pas très bien parce que c'est vraiment sur des mêmes tons. Donc c'est la partie jaune ici, hein. Voilà, et on peut venir glisser un tag et une petite carte, voilà. La partie en haut, alors soit vous habillez votre carte noire ici, vous pouvez mettre un autre papier hein, aux bonnes dimensions, ou sinon vous laissez comme c'est et vous venez mettre juste un rectangle donc qui fait 14,5 sur 3 cm. Voilà, vous venez le mettre ici. Voilà, pour pouvoir venir glisser, pareil, une petite carte. Donc là, on va le coller, pareil, de nouveau, ici, ici et là. Mais pas sur cette partie-là. Toujours un tout petit filet de colle. Donc. Voilà. Et donc, on peut venir glisser notre carte. Voilà. Donc ça, c'est fait comme ça. Donc c'était bien cette partie-là hein, qu'on vient de réaliser. Celle-ci, c'est bon. Maintenant, on a pour la tranche intérieure et extérieure, donc la partie ici, au milieu, on va venir mettre une petite bande que je retrouve la mesure. Donc, c'est 1,5 cm sur 17 cm. Voilà, vous centrez bien. Voilà pour la tranche. Voilà, ici. Ensuite, moi sur cette partie-là, donc le cadre,
Voilà, ça c'était la tranche. Sur le cadre, alors il faut venir découper un cadre justement. Donc c'est un rectangle qui fait donc 12,5 sur 16,5. Et à chaque fois là, vous avez 2 cm. Voilà, tout autour, hein, 2 cm ici. Voilà. Et on va donc venir avec notre cutter faire une fenêtre, voilà, pour pouvoir l'adapter ici. Hein. Alors, mon cutter. Il est là. Donc, ma règle. Et on vient ouvrir une fenêtre ici. Voilà, on obtient donc un cadre comme ça. On va venir coller ici. Voilà, vous le sentrez bien. Voilà, donc vous mettez de la colle. Voilà, vous le centrez. Et voilà. Du coup, ça donne un peu de relief. Voilà. Maintenant, la partie extérieure. Vous voyez, quand on ferme, ça nous fait vraiment comme un faux livre. Voilà. Donc la déco extérieure, donc toujours donc deux rectangles de donc 17 cm sur 12,5. Donc un ici et un derrière. Et sur la tranche, toujours un rectangle donc de 1,5 sur 17 cm. Voilà. Donc on va coller tout ça. Ensuite, vous venez bien sûr décorer votre couverture. Et la petite tranche. Ici. Voilà. Ensuite, bah bien sûr, hein, vous venez décorer comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Voilà, vous venez refermer votre petit ruban. Voilà. Et donc, notre faux livre est terminé. Voilà.
Et donc la partie là, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un petit cadeau. C'est vrai que c'est sympa pour offrir. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais du coup, et je vous réserve une petite surprise dans les prochaines vidéos. Donc, soyez là. Voilà, j'en dis pas plus. À très vite!